c'est moi, le joueur Plasma, qui va vous faire cette deuxième partie. Je crois que je vais finir le jeu, hein, parce que je le trouve superbe. Et j'ai bien envie de le finir pour vous. Allez, debout, Link! C'est plus l'heure de dormir! Bon, là, c'est chez nous. On peut trouver un coffre en bas. Il y a quelques rubis, c'est intéressant. Mais je ne sais pas où précisément. Bon, bah on fera avec la torche. Et oui, dans Zelda là, il y a une torche. On voit bien dans le noir, parce que là, comme vous le voyez, on voit que dalle. Bon. Je trouve que les éclairages sont très bien ici. Et aussi la rivière, l'eau et tout ça, c'est très bien fait. Dis, tu savais, toi? Il y a un lance-pierre au magasin. Non, mais tu te prends compte? Je me demande si c'est surpuissant comme arme. Il faudrait essayer. Si toi et ton frère, vous en avez tellement envie, vous n'avez qu'à aller l'acheter. Mais il est trop cher pour nous. On ne pourra jamais te se l'offrir. Allez, Anaïs, tu veux pas aller emprunter? L'emprunter? Allez, quoi! Tu sais bien que mes parents ne voudront jamais. Vous n'avez qu'à économiser votre argent de poche. Avec ce qu'on reçoit, le temps qu'on réussit, qu'on réunisse la somme, on sera adulte. C'est pas drôle. Nous, tout ce qu'on a dans la famille, c'est un moulin. C'est un peu dur. Et là, faut se débrouiller pour trouver les rubis. Bon, il y en a un peu partout, hein. Hey, Link! Tu peux me parler de là où tu es en te concentrant sur moi avec Z et en appuyant sur A. Oui, c'est ça, je suis là, là. Ta voix porte bien quand même. Si tu vois mes mômes, dis-leur que pour parler à des gens éloignés de soi, il faut d'abord les regarder avant Z, puis appuyer sur A. Link, tu peux venir un moment, grimpe au lierre, bien sûr. Je vais grimper au lierre. Ah, te voilà, dis, là-bas, à côté de la maison, c'est pas le chat de négociant. Je ne sais pas ce qu'il a, mais ça fait un moment qu'il fixe la rivière comme ça. Tu crois qu'il veut pêcher un poisson? Elle est bien bonne, celle-là. Un chat qui pêche, on aura tout vu. Ah, mais en fait, je voulais te dire autre chose. Sur les rochers là-bas, ça ne serait pas l'herbe avec laquelle tu siffles tout le temps? C'est plutôt rare d'en trouver par ici. Alors je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Tu devrais pas avoir de mal à sauter sur l'autre rocher avec stick directionnel. Bon, je le connais assez par cœur, donc je sais ce qu'il faut faire là. Enfin, en tout cas, le début, je le connais très bien. D'abord prendre l'aigle, après viser le berceau qui est au bout, car il y a la mère qui veut récupérer le berceau. La mère de Colin, je crois qu'il s'appelle. Oui. Et comme par hasard, encore la musique. Qui sera à chaque fois dans tous les Zelda. Vous l'entendrez à plusieurs reprises quand on aura déverrouillé un indice. Enfin, une énigme. Oh mais Link, j'étais justement en train de chercher ce même couffin. C'est moi qui ai dressé ce couffin pour la naissance de mon premier enfant. Et j'en ai toujours pris grand soin. Comment tu t'es venu? Tu es allé le chercher exprès pour moi? Oh merci. Ah,
Mais j'y pense. J'ai quelque chose à te donner. Tu peux prendre le couffin et me raccompagner chez moi. Bon, elle est super longue, donc je cours. Voilà. Merci beaucoup, Romain. Ah oui, j'ai failli oublier. Je devais te donner ceci. Tiens, c'est pour toi. Et bien sûr, on a reçu la canne à pêche. C'est pour pêcher le poisson, pour que le chat puisse récupérer le poisson. Elle n'est pas tout à fait finie, mais c'est mon fils, Colin, qui l'a fabriqué avec l'aide de son grand-père. Si ça t'intéresse, tu peux le garder. Et on pêche le petit poisson. Au final, c'est très facile, on reste simplement vers l'eau et c'est bon. Et voilà, fallait pêcher deux poissons. Enfin, le deuxième serait bon pour que le chat le prenne. Et qu'il rentre chez sa propriétaire, quoi. Celle qui s'occupe du chat. Sa maîtresse. Elle est en dépression car elle n'a pas vu son chat depuis un moment, car elle l'a engueulé. Mais bon, maintenant, c'est bon. Le lance-pierre. Mmh. Je sais ce qu'il dit de toute façon. Faut aussi souvent utiliser les poules pour faire un grand saut en plein dos. C'est important. Pour aller sur des plateformes qu'on ne peut pas aller normalement. Il faut viser bien sûr la ruche. La musique habituelle. Et c'est dans la boîte. Bon, j'ai déjà 10 rubis, mais je crois que le lance-pierre c'est à 30 ou 40, je sais plus. Donc, je ne suis pas encore en deux. On dirait que la vidéo est déjà presque finie. Bon bah, on se retrouve tout de suite après. C'est vraiment mal joué.